Oh non, pas sur ma tête. Oh non, non, on m'a repéré. À l'aide, à l'aide. Ce que j'aime pendant les vacances, c'est qu'on peut retourner à l'école. Mais pas dans la réalité. C'est dans une salle de classe de Roblox. D'ailleurs, ça me donne une idée. Il n'y aura pas que moi qui fera mes devoirs. J'ai une superbe idée. Si j'inscrivais aussi maman à l'école. Pourquoi pas celle-là? Votre nom? Bah, le nom de ma maman. Est-ce que vous avez déjà fait des études? Bah oui, hein, quand même, c'est une maman. Mais Verity, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as inscrit à l'école? Parce que maman, tu m'as fait un prank. Où je rentrais à la maternelle, tu m'as fait un prank. Où tu m'as inscrit au collège, mais c'était pas vrai. Donc moi, je t'ai pas fait de prank, je t'ai inscrit à l'école. Je suis trop grande, voyons. Mais non, maman, on n'est jamais trop grande pour aller à l'école. Et est-ce que j'aurai un professeur gentil? Est-ce que je vais me faire des amis, moi? Mais bien sûr que tu auras un prof gentil. Et les amis, c'est évident, puisque tu seras gentil et tu seras nouvelle. Tout le monde voudra être ton ami. Ah, et si je m'ennuie, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a la récréation, bien sûr. Il y a des toboggans, des balançoires, il y a des cordes à sauter, il y a des cerceaux. Waouh, l'école a l'air extraordinaire. Ouais. Et pour les repas de midi, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a la cantine. Oh, les desserts, les burgers, les pâtes. Mais attention, si tu veux avoir tout ça, il faut essayer d'aller au premier service. Comme ça, tu auras les desserts les plus bons, les repas les plus bons du monde. Ah, d'accord. Merci pour l'astuce, Verity. De rien. Mais là, on va chercher des fournitures scolaires. Oui. Donc, tu as ta liste? Oui, oui. Nous sommes dans le supermarché géant. Si vous aimez géant, laissez un méga pouce bleu maintenant. Mais par contre, Verity, j'aimerais ajouter une petite difficulté à ce challenge. Une entre nous va acheter tous ses fournitures scolaires rien qu'en rose et l'autre rien qu'en bleu. Ah mais non, c'est trop difficile. Bah oui, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un challenge. On fait pierre, papier, ciseaux aussi. D'accord. Bon, moi je veux bien le rose. On va voir. Donc, si je gagne, j'aurai le rose. Ok. Pierre, papier, ciseaux. Oh! Toi, tu as eu le rose. Tu veux trouver un t-shirt rose à mettre? Là, là. Super. Et moi, je vais trouver un t-shirt bleu. Wow, trop joli! Oui, comme ça, on n'oubliera pas nos couleurs. Nous sommes arrivés dans le rayon fournitures scolaires. Le premier article sera un grand cahier de 96 pages. C'est parfait, c'est en bleu, mais le seul problème, c'est que il y en a d'autres couleurs. Et pas de rose pour toi. Donc il faut encore chercher. Ici. Waouh, on a un choix immense. Maman, je prends celui-là. Oh. Génial. Et là, tu vas mettre ton nom. Ici dans le coin, c'est couvert en plastique, donc ça c'est protégé, c'est parfait. Je vais prendre celui-ci. C'est en plastique? Non. Oui, le couvert est en plastique et j'aime bien parce qu'il y a ces petits points là. Regarde derrière, c'est 86. Est-ce qu'il y en a 86? 100 pages. Donc j'en ai plus. Alors vers ici, c'est quoi la suite? Il faut un petit cahier de 96 pages. Donc voici le rayon avec tous les petits carnets. Mais Verity, et si on essaye d'économiser un peu et en cherchant une bonne offre? Là, là, là. Ouh, superbe. Donc là, il y a un pack de 5 petits cahiers et il y a une rose, bien sûr, et un bleu. High five. Ah maman, il faut un classeur rigide. Des classeurs rigides, d'accord. Je vais en prendre un en plastique s'il y en a. Bon. Tu veux de l'aide, Verity? Donc déjà le bleu, il y a ce modèle. C'est pas trop bleu ça. Donc je pense que je vais plutôt prendre celui-ci parce qu'il n'est pas trop grand. Et ensuite il n'y a que deux anneaux et je peux facilement organiser toutes mes affaires. D'accord. Et aussi ici Verity, regarde, on peut facilement enlever cette étiquette et écrire de l'autre côté le sujet
ou notre nom. Maman, tu peux m'aider à choisir entre ces trois classeurs? Bah bien sûr mon cœur. Wow. Lui c'est le plus grand, mais à mon avis j'aurais pas autant de travail. Ça c'est très grand. Là tu peux bien mettre toutes tes feuilles et bien les ranger. Mais la couleur, est-ce que tu penses que c'est du rose ça? Non, ça me semble un peu violet. C'est du violet. Ensuite il y a celui-ci qui est un peu plus petit et très rose. Un autre rose un peu plus transparent, un peu moins rigide je dirais. Donc là par exemple il y en a 4 anneaux de classeur. Oui. Et ici il n'y en a que 2. Donc ça dépend vraiment du travail qu'on va faire en classe. Dans la liste, ce n'était pas clair s'il fallait prendre un classeur avec 4 anneaux ou bien avec 2 anneaux. Donc, alors Verity, ça sera quoi ton choix? Celui-là. Waouh! Ça, c'est la partie la plus difficile. Il faut trouver un stylo en rose, mais personne n'est créé en rose. Oh, je vais quand même essayer de trouver. Ah, ici. Voilà les trois choix que j'ai choisis. Il y a déjà le stylo plume, il est rose, sauf que c'est écrit en bleu. Et de toute façon, on doit mettre de l'encre dedans. Ensuite, il y a aussi ce stylo-là, le deuxième. Lui, mais j'ai trouvé, mais il est trop bizarre. J'aurais du mal à écrire, à mon avis. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Lui, à mon avis, il est bien parce que, regardez, là, c'est bien rose. Sauf qu'ensuite, en haut, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Donc quand même, je vais prendre lui. Regarde ces options. J'ai un gros stylo bleu avec 20 petits stylos à l'intérieur. C'est extraordinaire. Et comme ça, je ne vais jamais manquer de stylos. Trop de chance. On dirait même une trousse. Une trousse. La maman trousse. Oui, la maman trousse avec tous ces petits bébés stylos à l'intérieur. Ou bien il y a cette option, il y a 3 rechanges et en plus il y a un effaceur. Donc si jamais je fais une erreur, que de barrer, je peux juste l'effacer. C'est pas juste. Oui, comme ça le professeur ne saurait pas si j'ai fait d'erreur ou pas. Je pense que je prends ceci. Maman, on peut prendre des ardoises. Des ardoises? Oui. Est-ce que ça fait partie de la liste? Non, mais je pense que ça peut nous être utile. On en a besoin pourtant à l'école. Est-ce que toi, tu en as besoin? Moi, j'en ai pas besoin. Et toi? Si, tu en as besoin. Je prends la rose. Ah, c'est bien ça. Mais le stylo est bleu. Ah, mais c'est pas grave. J'en ai pas besoin dans ma liste, mais je trouve ça vraiment pratique pour écrire des petites notes. En plus, je peux choisir entre le bleu foncé et le bleu clair. Le bleu clair. D'accord. On va essayer d'aller super vite. Donc on a 1 minute pour trouver une règle et des ciseaux. Allez, c'est parti. Oh, la règle, celle-là, c'est là. Terminé. Alors, moi, j'ai pris cette règle, 15 cm, parce que je peux la garder dans ma trousse. Elle est flexible, regardez. Elle est rose et jaune et vert et je pourrais bien m'amuser avec. C'est la paire de ciseaux la plus belle du monde entier. Regardez, il y a des petites paillettes, il y a des petits diamants. C'est vraiment trop beau. Wow. À mon avis, tout le monde va me demander de la prêter. Je vais leur dire bien sûr. Et là, je pense que je vais prendre ce paquet de règles. Il y en a toutes plein de tailles. Il y a une grande au cas où il y a des exercices où il faut vraiment mesurer jusqu'à 30 cm. Il y a des plus petites que je peux mettre dans la trousse. Et aussi, regarde ces stylos. Ce stylo bleu, il est vraiment cool. C'est comme du tag, ça dit rock. J'adore. Et il est assez grand pour mes mains. Là, on est à la recherche des trousses, mais regardez, il n'y a que des choses pour bébé et en plus, c'est tout un kid. Donc, ça c'est mini, c'est en gros, donc je crois pas que je vais choisir ça. Je vais prendre un truc de grand maintenant. Bien sûr, pour les trousses, j'ai trouvé 2 styles de trousses. Une qui est super brillante, je l'adore. Elle sera vraiment brillante dans la classe. Ensuite, en deuxième, j'en ai trouvé une un peu plus claire qu'originale. Waouh, j'adore cette trousse, mais laquelle je vais choisir?
Pourquoi pas les deux? Oui! Si j'étais le rose, j'aurais pris cette énorme trousse. Je la trouve magnifique. Moi, j'aurais bien aimé ça. Regarde, on peut tout mettre là-dedans. Il y a des petits unicornes. Oui, des diamants, des cœurs. Oh, vu que je ne peux que prendre du bleu et je voulais une grande trousse, je pense que je vais prendre celle-ci. Parce qu'on a plusieurs comportements. Il y en a quatre? Oui, il y a quatre fermetures éclairs, plusieurs comportements. Et moi, j'aime bien quand il y a plusieurs. Comme ça, je peux vraiment bien organiser toutes mes affaires et toujours tout trouver. Bon, je vais plutôt prendre ce cartable parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix en rose. Comment ça s'ouvre? Comme ça. Bon, bah c'est facile. Comment c'est dedans? Ah, c'est noir, c'est sombre. Ça gêne pas trop. Par contre, ce que j'aime, c'est que j'ai vu qu'il y a une fermeture là. Donc on peut l'ouvrir. Et mettre des choses. Une sorte de poche secrète. Maintenant, je vais l'essayer. Je suis prête pour la rentrée. Qu'est-ce que tu penses de mon sac à dos? Bon, je trouve qu'il est super. Ouais, c'est un bleu foncé. Mais il est vraiment confortable au niveau des épaules. Donc si j'ai des cahiers lourds et des livres super lourds dans le sac à dos, je n'aurai pas trop mal aux épaules. Voici mon deuxième choix. C'est un sac que je trouve qui est assez solide, qui est assez bien protégé. Quand on le jette par terre comme ça, il ne va pas vite s'abîmer. Un deuxième comportement. Oui, donc je pense que dans où tu m'as inscrit, j'aurai besoin de mon ordinateur. Donc je pourrais le mettre ici. Et un troisième comportement, ça c'est encore mieux. Il y a même une place ici pour ranger ses clés et aussi des petites fermetures. C'est pas juste, il y en a trop. Oui, c'est vraiment un sac qui te permet à faire plein de choses. Et c'est bleu, oui, jean. Mais tu vois bien que les couleurs, tu peux pas. Bah, ce sont des petits motifs qui ajoutent un côté girly au bleu. La triche. Oh. Là, j'ai trouvé deux agendas qui sont pas pareils. Il y en a un premier qui est avec des petits mignons. Et là, à chaque fois, là, c'est écrit love. Et là, il y a un petit mignon. C'est trop mignon. Oh oui, Verity, j'adore. C'est l'agenda 2019 à 2020. Et ça commence avec des anniversaires. Ensuite, ça commence le 19 août. Tu peux bien mettre les matières, le travail à faire et des notes en dessus. Ah oui. C'est excellent. Maman, j'en ai aussi trouvé un autre, regardez. Avec la texture des Lego. C'est original. Là aussi, touche maman. C'est du silicone au fait. Là, c'est trop bien. Et si on l'ouvrait un peu? D'accord. Ah, ça, c'est trop joli. Ça commence quelle date? Déjà, ça commence avec les horaires, son emploi de temps. Et ça, c'est important. À 8h du matin, tu fais quoi le lundi? Je vais à l'école. Oui, mais tu fais quoi précisément à l'école? Je suis dans la cour. Regarde, maman, ici, on peut mettre les anniversaires de mes amis. Oui, comme ça, tu n'oublieras pas du tout. Non. Et ici, on met aussi d'autres notes. Alors, Véry, si tu prends lequel? Je vais faire la plouf. Une boule en or, c'est toi qui sors. Voilà l'agenda de Verity. Et là, moi, je vais prendre cet agenda Verity. Qu'est-ce que t'en penses? Il est trop beau, il y a des paillettes. Oui, on dirait un agenda de sirène. Il y a plein de choses à noter. Plein de choses à noter, plein de places à écrire tout ce que je veux. Et même un plan. Ouh. Non, là, t'as vraiment trop de chance. Un plan du monde. Oh, waouh. Là, c'est la fin. Oui, c'est la France. Et là, c'est la Suisse. Ah oui. Il a déjà commencé le 1er août. Oh, oh. T'as loupé l'école. Bravo, Verity. Tu as vraiment réussi. Tu as fait une bonne sélection de fournitures scolaires toutes roses. C'était difficile, mais à mon avis, j'ai pris les bons choix. Oui, ça, c'est bien ton caddie tout rose. Quel est ton article préféré?
tous. Bah, il y en a tellement. Comment je vais faire pour choisir? Les ciseaux. Vérifiez pas les ciseaux avec des diamants. Les copains et les copines, si vous aussi vous avez adoré ces ciseaux, n'oubliez pas de laisser des méga pouces bleus maintenant. Donc voici ma sélection à moi. Je suis vraiment contente, c'est vraiment bleu, bleu, bleu. Mon article préféré, c'est bien évidemment cette trousse. Ça va m'aider à être bien organisée. Et vous les amis, on vous souhaite beaucoup de chance pour la rentrée scolaire. Mais maman, il faut bien être sûr de toi à l'école. Oui, oui, c'est ça. Et être sage et pas trop parler. Oui, c'est à tes amis, il faut pas trop discuter. Sinon, eh ben, il va te donner des croix et ensuite tu seras à la table au fond. Ah, d'accord. Enfin les copains et les copines, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis, gros bisous.